Ibn Abdullah, Ahlu Bayti, Annandoyak. Jaiba, Amai, Malam Tijan, Fatil, Ibn Abdullah. Nangat Begallem, Amgen Zeri. Alayhi Salatullahi, Thumma Salamuhu. Iza mittu fil firdaus, niltu maqila. جمعت وجودنا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي حباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والسود فانتحى إليك خديم رام منك منالا cohabitation pacifique. Il disait que nous avons un espace public qui nous est commun, mais nos demeures, nos religions sont du domaine du privé. Au moins, œuvrons pour le bien commun, au moins pendant la journée. Pendant à la tombée de la nuit, nous retournons à nos identités propres. Et le président russe se leva pour l'embrasser et dire au moins durant la journée, nous sommes des frères, au moins pendant la journée. C'est cette rencontre-là que le professeur a évoqué. C'était en février 1961. Cheikh Ibrahim était accompagné du professeur Ibrahim Mahmoud Diop et de notre oncle, le professeur Habib Niang. Et c'est le professeur Habib Niang qui a convaincu le Cheikh Ibrahim de coucher cette idée-là sur papier. Nous avons retrouvé là notre manuscrit du Cheikh Ibrahim évoquant la cohabitation pacifique et voyant le monde comme un village global. Donc parler du Cheikh Ibrahim, c'est parler d'un missionnaire itinérant, pour paraphraser mon jeune frère, le docteur Eladj Abdoulaye Niang. C'est aussi parler de la gemme du soufisme, d'un diplomate de la foi, du patriote chevronné, mais aussi d'un grand panafricain. C'est aussi évoquer les péripéties de la vie d'un homme qui a réussi à semer les graines de la fraternité humaine dans le cœur de millions de personnes. Car jamais ne s'est-il lassé de traverser les frontières pour porter la bonne parole, d'est en ouest, toujours entre deux avions, comme il le dit lui-même, explicitant la guidée par son action, par sa parole et par ses états spirituels. تَقَاضَفُوا الْأَجْوَاءُ شَوْقًا وَمَغْرِبًا يُبِينُ الْهُدَى فِعْلًا وَقَالًا وَحَالًا. Décrivant ses services rendus à l'islam et au prophète, qui le menait d'un bout à l'autre du monde, il écrit dans Serul Qalb, son dernier recueil de poèmes, asservi par son amour, je me mis à murmurer tes éloges. Sur terre et dans les airs, aspirant à une union. Ayant quitté mes terres, les miens, ma famille, traversant les forêts sans jamais me plaindre. Et puis il parla de l'état parisienne, de son périple,
et poursuit en Belgique un autre jour, pérégrinant vers le Caire à la quête d'une grâce, continuant vers Londres. J'arrivais chez Abdelmalik dans la nuit, mais que point d'illusion, Londres ne se fasse. Quittant Beyrouth vers l'Extrême-Orient, la Chine en ligne de mire, pour servir l'envoyé du maître du trône, le Très-Haut, à Karachi, j'ai laissé mes bien-aimés, qui prêtèrent main forte à la religion du prophète, agrippés à l'anse du prophète Mohammed, grands et petits, femmes et hommes, de Bangkok à Hong Kong, le serviteur ne cessait de lui dédier au prophète ses longues randonnées. J'ai survolé les mers débordantes, j'ai même survolé les cités et métropoles, voire des montagnes. Je cherche l'agrément du Créateur en prêtant main forte à sa religion et en frayant la voie idéale à la génération montante, faible, malade et vieux, mais plus que jamais enthousiaste. J'œuvre pour une foi qui aborde la violence, car le prophète Hachemite n'a jamais eu l'initiative d'une guerre, mais il a repoussé l'adversité et réfuté l'ignorance. Donc écrire sur Cheikh Ibrahim, c'est retracer l'histoire d'un homme dont la trajectoire défie la temporalité. En un mot, c'est parler d'un homme monde. Il disait lui-même, les jours ne connaissent pas mon lieu de résidence, ni mon nom, depuis que, quand Ahmed je réside. Fama arafat ayyamu rab'i wa ma darat sumatiya musakantu Ahmed Aqatina. Le poème qui orne le mur de son mausolée affirme que même lorsque cette enveloppe corporelle qui lui servait d'habit d'apparat sera couverte de terre, il continuera ses randonnées gnostiques dans l'essence du Créateur, dans le giron immaculé de son bien-aimé, le messager de Dieu. Il disait que l'image d'Ibrahim restera un souvenir quand il sera annihilé en son Seigneur et il fera méditer. Quand sous terre ils m'auront placé, ils s'exclameront. Au demeurant, il visait le bien, même si l'ambition lui manquait. Gisant dans ma tombe, dans le giron d'un Seigneur donateur généreux, qui, au serviteur que je suis, fera d'éblouissants dons. Ma vie est remplie de signes et de symboles. Je fus de huit lettres et d'insignes lignes dont la jonction a déployé mon essence réelle. Donc il a débuté sa mission, comme il le dit lui-même, en 1922, qui marque le décès de son honorable père, Al-Hajj Abdoulaye Niaz. Et sa mission était l'appel islamique. Il l'a dit lui-même au journaliste saoudien Abdul Karim, qui lui posa la question, quelles sont les motivations et méthodes de son action missionnaire. Il dit, c'est d'appeler les non-musulmans à la religion d'Allah par tous les moyens normaux, disponibles, et les libérer de l'associationnisme par le biais de la parole et des preuves concrètes. Deuxièmement, fournir des efforts dans l'éducation, le conseil pour guider les musulmans par le biais des différents médiums pour qu'ils continuent leur cheminement vers Allah et qu'ils accroissent leur foi en lui. Quand il parle d'accroître la foi en Allah, il fait toujours référence à la tarbiyah ou à l'éducation spirituelle. Donc Cheikh Ibrahim était un saint dans le siècle. Gnostique hors pair, il n'en était pas moins un leader d'opinion qui ne cachait pas ses choix politiques, qui toujours était en phase avec les principes islamiques de la recherche du bien commun, du juste milieu, du compromis, mais guère de la compromission. Dans la charte prière de Medina Bay, cette prière qu'il formula lors de sa première nuit à Medina Bay en 1931, il implorait le Tout-Puissant de faire de ses disciples des musulmans accomplis, des gnostiques rompus à la tâche, des cheminants qui ont réussi à tous les exercices du djihad nafs ou au combat contre soi, mais aussi de bons citoyens qui veillent au bien-être de leurs semblables. Il dit, peuple notre Médina par une communauté ancrée dans la Sunna, par des savants, des saints, des gens pieux, des gnostiques, des musulmans, des musulmanes, des croyantes et des croyants, mais sauve-nous des chefs qui errent et qui se complaisent dans la tromperie. Là apparaît le choix politique et il poursuit sa prière en disant que adoucis cette terre pour nous, bénis son nom et son nom et vivifie-la par ton essence, par la valeur de la maison fréquentée, Bayt al-Ma'mour, par la valeur de la mère des cités, Moulkora, par la valeur de Taïba, la cité du prophète choisi, par la valeur de Cham, qui est la terre bénie, mais par la valeur de Fès, demeure du Sotigani. Fais de cette Médine, de ma communauté, le réceptacle du secret de la station d'Ibrahim et que quiconque y entre soit en sécurité. Donc pour finir, je vais résumer les décennies qui ont marqué la vie du Cheikh de 1930 à son décès en 1975. Les années 30 ont été les années du grand défi, les années de braise et de construction des bases théoriques d'un mouvement religieux, spirituel, humaniste aux prétentions universalistes. Les prouesses du Cheikh, ils sont d'autant plus notoires qu'il faisait face à d'innombrables défis qu'il a tous relevés. La décennie des années 40 marque l'ouverture véritable en Afrique de l'Ouest. Les années 1950 témoignent de l'intensité de son itinérance missionnaire,
celle son amitié avec les sommités de l'appel islamique, des autorités politiques, des rois et princes du monde musulman. Les années 60 sont le couronnement de son activité. Sollicité jusqu'en Chine, il passa plus de 80 jours à l'étranger en 1960 au service de l'islam. Il est élu vice-président du Congrès islamique en 1962. Les rois et chefs d'État du Maghreb arabe le décorent en 1966. Il assiste à la création de l'organisation de la conférence islamique en 1969. Assiste à la conférence pour un monde sans bombe atomique, organisée par le président Dr Kwame Nkrumah en juin 1962. Nommé par le président égyptien, désigné par le président égyptien Gamal Abdel Nasser comme membre de l'Académie de recherche islamique et du Conseil supérieur des affaires islamiques en 1963. Il fut la vedette du congrès de 1964, comme le rapport de l'ambassadeur français qui était basé au Caire. Pendant la décennie des années 70, il était d'un âge avancé, la santé chancelante, mais cela ne l'a pas empêché de voyager un peu partout dans le monde, de rallier plusieurs fois la médine de son bien-aimé, de poser les bases de la réforme de la Jamiatu Ansar al-Din en y adjoignant un volet international dénommé Union africaine musulmane, de s'adonner à la glose des traditions du prophète et de passer le clair de ses nuits à tisser des éloges pour son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Musulman, savant, prêcheur, infatigable missionnaire, fervent défenseur de l'islam, néanmoins d'une tolérance et d'une ouverture inouïe, un saint gnostique confirmé qui a réalisé la prouesse de toucher un nombre jamais atteint de disciples rompus aux arcanes de la gnose, preuve éclatante qu'il est le porte-étendard de la faïda. Sa vie ne fut point un long fleuve tranquille, mais comme il le dit lui-même, elle fut un jardin édénique de signes et de symboles, et il nous appartient à nous autres disciples d'essayer de les déchiffrer. Partout où il passait, il portait le salut de la paix et promettait la paix du salut. Fraternisé avec les musulmans de toutes les écoles, n'hésitez pas à couvrir d'affection ceux-là qui étaient quelquefois les plus critiques envers son obédience. En un mot, il symbolise cette foi éclairée qui est l'islam véritable, dépouillée de toutes les apories qui sont venues se greffer sur son limon vital que nous a légué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grosso modo, c'est quelques mots que j'ai écrits pour présenter les deux tomes. Le professeur a parlé de quelques rapports qui sont très critiques envers le Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu. Vous savez que le Cheikh Ibrahim a débuté sa mission à une période que les historiens comme lui appellent la période de l'accommodation. Quelqu'un comme Hélène Grandon parle de la politique de l'harmonie, du sourire et de l'entente. Les colons et les chefs religieux, qui à l'époque représentaient la société civile, ne se regardaient plus en chiens de faïence, mais ils rusaient. Les religieux essayaient de sauver la face pour que la paix puisse régner, appeler au respect de l'autorité, et en contrepartie, les colons ne vont plus, au moins officiellement, leur mener la vie dure. Mais intrinsèquement, ils savent que ce ne sont pas des amis. Donc c'était les rapports recèlent parfois l'aspect, la vision négative et néfaste que les colons avaient sur nos chefs religieux qui, grosso modo, n'étaient pas leurs amis. Ils menaient une politique de façade, mais ce n'était pas des... Ils ne s'aimaient pas parce que leurs objectifs étaient différents. Ils ont dit, il y a même un rapport que j'ai cité dans le tome 1, qui est écrit par Pierre Régnier. Il dit que l'islam a beaucoup plus évolué pendant ces dernières décennies que durant des siècles, durant les deux siècles ou le siècle passé. Ce qui montre que la politique que les colons avaient envers l'islam n'a pas porté ses fruits. Nos chefs ont été d'autant plus... vaillant à veiller à propager l'islam malgré le diktat colonial. Donc ce sont ces quelques mots que je voulais dire en attendant. Il y a en 2013, ce que nous appelons les sociétés traditionnelles, le monde jusqu'à hier, the world before yesterday. Il y a aussi l'effet de Boualem Salam qui a écrit un livre qui s'intitule La fin du monde. Et le livre dans le signe, Les champions de la fin du monde, essai sur les ruines du capitalisme. Et enfin, le livre du philosophe sénégalais qui s'appelle Félix Sarr, Habiter le monde, essai sur une politique relationnelle. Je pense qu'en nous inscrivant, en s'engageant dans cette dynamique d'articuler une pensée propre à Cheikh Ibrahim Niass avec toutes les problématiques du monde, il est en train de nous proposer quelque chose de formidable. C'est pour ça que je voulais insister sur ce point précis. Dans son essai, la problématique du monde en quête de sens, c'est de ça qu'il s'agit,
un monde qui est repensé à partir de l'exemple de Cheikh Ibrahim Niass, un saint dont l'expérience a transformé en profondeur tout le monde qu'il traverse. Face à des peuples secoués par l'inquiétude, l'angoisse, des peuples saisis par le risque de déperdition et le menace d'écroulement, Cheikh Ibrahim Niass a su offrir une alternative de salut, un souffle spirituel, un rempart contre la faillite existentielle. Ahmed Boukar nous entretient de cette sagesse qui corrige les failles du monde, finalement, et qui est pour quelque chose dans le redressement moral de l'humanité, dans le réalignement, bref, dans le réarmement moral, devant une sorte d'anarchie instaurée par des puissances matérialistes qui réduisent l'humain à sa plus petite expression. En effet, le gauche du monde traverse toute l'œuvre d'Ahmed Boukar, que ce soit dans cet homme que dans ce volume, que dans le volume précédent. En tout cas, plus on avance dans les chapitres, on s'aperçoit de la pertinence de la problématique et de la capacité à véritablement apporter des réponses et des arguments susceptibles de confirmer l'hypothèse qui émet dès le départ. Mais Boukar nous livre ici une lecture sur une personnalité énergiquement impliquée dans la marche du monde, un humaniste doublé d'un réformateur, qui choisit une option différente de l'option des saints du monde humain, c'est Abdal, ces mystiques qui croyaient que la dimension de sainteté s'évalue à l'aune de se retirer dans la montagne pour contempler, méditer, en tout cas pour fuir le monde. Ce qu'a fait Boukar Doukic, c'est que Baye, dans sa démarche et son approche, il est dans cette démarche que veut appeler une sorte de sainteté intramondaine et non dans une sainteté extramondaine. Il est dans le monde, dans la mesure où il reste dans le monde, il prend en charge les problèmes du monde, les défis du monde, les défis de la contemporanéité. Et il apporte des réponses qui, tout le monde le savent, sont des réponses appropriées, qui aident non seulement l'humanité, mais qui aident le genre humain du monde général. Toute évidence, la vocation d'apporter des réponses aux prises avec la tourmente, le monde aux prises avec la tourmente, le monde au bout de souffle reste le lieu commun de tous les saints humains africains. Simplement, le pragmatisme par lequel le cher s'est employé est quelque chose qui est une exception incontestable. Non seulement il proposait à l'humanité un effort efficient de remettre de l'ordre dans la vie des sociétés, mais en plus, il établit sa démarche sous les vertus du lumineux, les valeurs de la conviction, l'idéal de la piété, la culture de la compassion, les normes de la dévotion et de l'exemplarité morale. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim a su fédérer des mondes séparés, des univers socio-culturels fragmentés par des institutions politico-économiques qui puisaient sur des bases purement arbitraires. En inventant une parenté spirituelle entre des peuples et des peuples, il a su consolider le monde, il a su se positionner en rempart, en jetant des passerelles, en construisant des ponts, sans recourir à une quelconque éthologie de la puissance, mais seulement à partir de l'éthique de la compassion tirée du Coran et de la Sunna. En nous proposant une historiographie d'ailleurs, Cheikh Ahmed Boukar Niass nous donne ainsi le sentiment qu'il prend véritablement acte du plaidoyer du professeur Ousmane Khan en faveur de la réhabilitation et de la réappropriation des savoirs et de la révolution islamique. Un plaidoyer qui s'inscrit dans le registre de ce qu'on appelle les études postcoloniales, les post-colonialistes, dont les représentants aujourd'hui sont Lupesh Chakrabarti, Béatrice Kivar, Koumbi Baba, Sundar Chabramanian, Mamadou Diouf, le Sénégalais, Kwame Anthony Appia, Yves Valentine Moulimbe, etc., etc. L'auteur de Homme du monde ou Homme du monde partage l'idée qu'il est temps de retrouver, voire de valoriser ce système d'idées, ce système de discours et de compétences représentatives d'un savoir historique africain, qu'une simple tournée des rapports de force a voulu confier dans les marches de l'histoire. Il s'y emploie subtilement pour redessiner l'itinéraire du but religieux en retraçant, tel un palimpseste, les pans d'une histoire méconnue ou passée encore connue. Ce livre a relevé d'un défi monumental. Défi monumental parce que, conscient de l'immensité de l'entreprise, l'auteur s'est rendu dans les plus grands centres d'archives du monde. Dakar, Nantes, Aix-en-Provence, La Courneuve, etc., Londres, pour compulser des documents sont tout précieux et rester encore confidentiels jusqu'à une date récente. La confrontation que l'auteur fait entre les archives coloniales et les sources issues de la communauté de Cheikh Ibrahim constitue un point méthodologique
qui vient répondre à l'exigence de l'administration de la faute. On a donc affaire à un véritable travail d'historien, c'est-à-dire un effort de systématisation et d'élaboration de romans frais, un effort pour fournir un éclairage nouveau sur l'expérience humaine. Cette contribution est par conséquent une richesse considérable pour les sciences sociales et pour les sciences sociales de religion. Après un bref aperçu sur l'histoire de la famille de Baye, le chapitre préliminaire de cet ouvrage traite de l'archive de surveillance dont fait montre Cheikh Ibrahim Niass, est suffisant pour nous renseigner sur toute l'attention que l'administration portait sur Cheikh, notamment ses écrits, son leadership, son rayonnement international, son gouvernement. Ce prologue se termine par une appréciation du modèle de citoyenneté dont a su faire l'auteur et qui lui a valu tant de distinctions de la part des autorités administratives. Les chapitres 2 et 3 font un tour d'horizon sur les liens entre le but religieux et les dirigeants du continent, ses affinités avec le monde arabo-musulman et enfin ses échanges avec les dirigeants des Caraïbes, de la Chine et de la zone indo-pakistanaise. On y découvre une correspondance jusque-là inexplorée et dont la valeur historique sera bientôt appréciée à la mesure de son importance. Cette correspondance est mobilisée à dessein par Ahmed Boukanian pour démontrer la forte implication de Cheikh Ibrahim Niass dans la marque du monde. C'est dans ces deux chapitres que l'auteur déploie allègrement toute une argumentation en vue de répondre à la question que soulève le titre. Mesdames et messieurs, je vous recommande fortement Cheikh Ibrahim Niass au monde rond du monde d'Ahmed Boukanian. Plus ardu, l'homme étant lui-même un monde en son sein évoluant dans un monde tendre d'autres mondes. Microcosme dans un macrocosme, raison pour laquelle faire le tour de ces deux tomes a été plus passionnant que tout ce qui m'a été donné de lire jusqu'ici. La spiritualité à la sénégalaise a pris du plomb dans l'aile, car hélas, de nos jours, le cheminement des maîtres soufis est compris de travers. Dans leur quête de l'insar et le kamil, au croisement entre le spirituel et le temporel, d'aucuns ont du mal à cerner la démarche de Charles Hadj Malik Sy face à l'autorité coloniale, les leçons qu'il faut tirer des mêmes épreuves de la vie de Serigne Touba, le combat de Cheikh Hadj Abdoulaye Niass dans l'éducation, la libération et la conscientisation des masses face à l'assimilation française. Tout autant de préalables qu'il faut appréhender pour comprendre la mission de Cheikh Ibrahim Niass pour l'homme et pour le monde. Des leaders comme Sankara, Cabral, Kwame Nkrumah ou même l'imam Khomeini n'ont étendu leur influence de leur vivant que le plus souvent dans la limite des territoires où ils ont vécu. Toutefois, mis à part l'imam, le reste d'entre eux n'ont pas cheminé à la lumière de l'homme cosmique parfait que fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim Niass, quant à lui, a réussi la prouesse de toucher et de réunir le monde en son sein. Sans doute une confirmation de la parole d'Allah qui dit « Inna Ibrahim kana ummatan » Certes, Ibrahim était une nation parfaite, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Le lecteur averti méditera autour du rapprochement à style d'allusion que fait le Coran autour des noms Ibrahim et Umma, ainsi que les nombreuses interprétations qui en ont découlé. Pur produit de l'université d'Al-Hajj Abdoulaye Niass, où sa personnalité a été façonnée, côte à côte avec des sommités tels Cheikh Mohamed Khalifa Niass, Serigne Babacar Al-Awel, Cheikh Omar, Al-Hajj Mohamed Zainab, Serigne Baye Niass, Chafiron entre autres, et d'innombrables hommes et femmes de la Sénégambie qui ont atteint les cimes de la gloire en islam. L'érudit Serigne Cheikh Ahmed Tidjani Si Al-Maktoum aimait d'ailleurs rappeler qu'en tout conseil de sa mère, Sokhna Soukane lui disait hisse ta détermination et tes ambitions à la hauteur de celle de Cheikh Ibrahim Niass, lui répétait-elle à maintes occasions, comme pour l'inciter à émuler une des personnalités musulmanes les plus marquantes en Afrique. Homme de son époque, de par sa démarche, et fils de son siècle à travers les marques indélébiles qu'il y a laissées. Les colons se sont empressés d'écrire notre histoire, mettant en avant la bibliothèque coloniale au détriment de celle de nos érudits. C'est assez pour justifier le complot dont parlait Cheikh Anta Diop, pour éliminer ou même discréditer toute référence à les gloires antérieures négro-africaines. Dans ce contexte, le livre de l'éclairé Cheikh Ahmed Boukar Niang,
fruit d'une vaste mais précise documentation, arrive à pic pour présenter le condensé d'aspects encore méconnus du grand public, surtout francophone et sénégalais, de la dimension internationale dont on parle tant de cher Ibrahim Niass. Dans un diptyque où les archives ont été passées au peigne fin, viennent enrichir les sources arabes et orales ainsi que d'importants témoignages, l'historien de la Faïda s'est prêté au difficile exercice de relater rationnellement et pas à pas les relations entre Cheikh Ibrahim et les autorités coloniales, mais aussi entre les dirigeants du monde d'alors, ainsi que ses confrères et condisciples, le tout en prenant de la hauteur aux faits historiques, faisant quelque peu fi de ses liens biologiques et de son amour incommensurable pour le Cheikh. Le mérite de Cheikh Ahmed Boukar est dès lors indubitable, qu'il en soit remercié. Il rejoint par ses ouvrages de haute fracture les grands auteurs qui ont écrit sur le sujet, tels le docteur Zachary Wright, Joseph Hill, Rüdiger Seesmann, ainsi que son frère ici présent, l'éminent docteur Ousmane Khan, que nous admirons énormément. Pour ne citer que parmi la pléthore de savants de toutes nationalités qui se sont intéressés à la vie et à l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niass. Ce qui m'a le plus marqué chez le Cheikh Ibrahim, c'est la manière dont il a su composer avec ses va-t-en-guerre pour pouvoir réaliser ses objectifs par des moyens pacifiques. Ils ne se sont pas rendus compte qu'au crépuscule de sa vie, annonçant un jour nouveau, Cheikh Ibrahim avait posé les fondations du panafricanisme, du panarabisme et du panislamisme au détriment des colons et de leurs ouailles. Son bâton de pèlerin à la main, entérinant les démons du racisme et de la haine entre les peuples, sémant dans les cœurs les valeurs enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait lui-même « J'ai une vision de l'humain qui n'a que faire de la haine. » Du Caire au Cap, de Kaolack à Kuala Lumpur, le monde de Cheikh Ibrahim Niass est un univers qui a transcendé les clivages et les différences socioculturelles entre les hommes. Ainsi, le blanc y est frère de l'homme noir, le Sénégalais y côtoie le Nigérian, le Haoussa et le Sérir, le socialiste s'assied à la table du démocrate, le Shia s'allie au Sunni, ainsi de suite jusqu'à ne laisser place qu'à un homme dépourvu de contraintes et des fers qu'il s'était créés pour parler un peu comme l'autre. Un homme revenu à la fitra, la nature originelle. Cheikh Ibrahim Niass a su rassembler les hommes en une seule nation, ou Ouma, pour parler ainsi en termes coraniques que j'avais tantôt cités. Je suis sûr que le Cheikh, s'il avait vécu à notre siècle encore, et il vit toujours d'ailleurs, aurait réussi là où tous les politiques et systèmes modernes ont échoué, c'est-à-dire à éviter un clash des civilisations pour bâtir une vraie civilisation de l'universel. لا أنكر لله قدرة ولا أزعم إلا ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته